lui crache à la gueule, lui demande de partir. Il souffre le martyr, il a le cœur en deux parties. Rentre chez toi, casse-toi, retourne d'où tu viens. Il a la dalle, parfois il mendie pour du pain. Certains l'attaquent férocement, les autres gens l'ignorent. Quand il sort de son logement, il le fait sobrement. Seule une femme lui porte un regard affectueux. Il aimerait pouvoir lui offrir un repas majestueux. Donc il attend, comme il attend des nouvelles de ses parents. Le cœur écartelé par un tel écart, les ses parents. Ils lui ont légué ce médaillon en or qu'il porte autour du cou et qu'il serre quand il s'endort. Repensant à ce jour où il a dû quitter son foyer sans ressources ni retour, Dieu secours nous. Il espère qu'il reviendra vers eux et que cette prière rejoindra les cieux. Amen. Encore une prière qui s'envole dans les nuages, une parmi des millions à chaque minute. Encore une prière qui prend de l'altitude. Est-ce illusoire? Je ne pourrais le prouver avec exactitude. Imagine qu'on ait brisé tous tes os. Elle ne peut plus que prier pour les autres. Cette ville étouffée trop. Elle n'a pas choisi son destin, contrainte à une condition d'esclave. Le pire des goûts des lots, forcée à se vendre. Le tourbillon d'une feuille portée par le vent. Orpheline, c'est une autre vie qu'elle aurait dû avoir. Sur sa croix, ses blessures s'accroissent dans le purgatoire. Quelques proches pour seul refuge. Elle se refuse à révéler la source de ses revenus. Mal au cœur, en réaction, une odeur nauséabonde le moteur de l'opération. Et l'auteur d'une hécatombe, elle cède un bouchon de liège. Elle n'a plus aucun doute, l'espoir, un flocon de neige. Sa vie un mois d'août, ni rêve ni enjeu, juste une prière silencieuse. Elle le prie mais lui en veut. Encore une prière qui s'envole dans les nuages, une parmi des millions à chaque minute. Encore une prière qui prend de l'altitude. Est-ce illusoire? Je ne pourrais le prouver avec exactitude.